Merci Seigneur pour cette nouvelle journée de Shabbat que tu nous donnes. Shabbat Shalom! Aujourd'hui c'est le jour du Shabbat, le jour du repos. Jour où nous avons un rendez-vous spécial avec notre Créateur, Créateur du ciel et de la terre, Créateur de tout ce qui existe autour de nous et même de ce qui est invisible. L'amour parfait, l'amour véritable. Bonjour. Ça va? Oui, alors je disais jour spécialement spécial, très spécial. C'est le rendez-vous avec notre Créateur. Merci Abba. Merci, merci. Je vais continuer de prier sans fermer les yeux, en chantant. Comme ça, si je peux mettre la pause si quelqu'un d'autre y passe. Parce que merci Seigneur. Nous sommes en été. Il y a des gens qui passent. Il y a déjà les voisins. Il y a la famille des voisins. Et aussi, c'est un témoignage. Alléluia! Il existe celui qui a tout créé. Non, tout ne s'est pas créé tout seul. Et il y a Elia qui me regarde avec ses grands yeux. Oui, il existe celui qui a tout créé, c'est lui le parfait horloger. Elle danse aussi avec son bras. Oui, oui, comme une montre ne s'est pas créée toute seule, la terre, l'univers non plus. Merci. Oh, je te dis merci. Ça fait 2 semaines que je ramasse des fraises, des bois. Je te dis merci. En abondance, tu me bénis. Je suis en bonne santé. Je crois que je vais le rester. Par ta grâce au Seigneur, non par mes mérites. Tu me protèges, tu me gardes de tout mal. Merci, papa. Alléluia. Je te loue pour qui tu es. Je te loue, toi l'amour parfait, le véritable. Si tu as de l'amour en toi, c'est grâce à lui. Ne te glorifie pas d'être une bonne personne. Non, c'est toi qui nous bénis, qui nous rend sain, qui nous rend bon, qui nous transforme de gloire en gloire à ta ressemblance. Merci pour la vie, merci pour ta vie, merci pour nos noms inscrits dans le livre de la vie. Non, je ne crains pas, tu me dis dans ta parole, ne crains pas. Crois seulement et tu verras la gloire de ton Dieu. Alléluia! La mort n'a plus d'emprise sur moi, car je sais que même si je meurs, je vivrai, car il y a l'éternité. 100 ans, 100 petits ans pour celui qui est bien robuste, mais nous dit ta parole, 80 ans pour celui qui est robuste. Oh Seigneur, c'est quoi? Je te remercie d'avoir mis la pensée de l'éternité dans mon cœur. Je te remercie, oh Papa. Car je sais que la mort n'est pas la fin, que ce n'est que le début d'une vie enfin où je ne pleurerai plus. Une vie enfin où il n'y aura plus de voleurs. Une vie enfin où il n'y aura plus d'assassins. Une vie enfin où on ne tremble plus de peur. J'ai dit tout à l'heure qu'on n'avait pas peur, hein. Mais des fois nous avons peur, il ne faut pas mentir. Mais le Seigneur nous encourage et nous dit n'aie pas peur. Ne crains pas celui qui tue le corps, mais crains seulement celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Parce que oui, la géhenne existe, il n'est pas bon de se moquer. La parole dit aussi que le méchant, c'est aussi celui qui se moque. Il y a plein de mauvaises choses que les hommes font le cœur endurci. Et nous te disons merci parce que tu veux nous réveiller, nous attirer à toi, encore sauver des âmes et nous faire grâce en nous utilisant. Tu es bon, mon Seigneur, tu es grand, tu es saint, tu es digne. À toi la gloire. Alléluia.
Alléluia, le plus fort, le vrai, c'est toi, l'unique, le vrai, c'est toi, toi qui nous as envoyé ton fils, le Messie, mort et ressuscité, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Celui qui croit se hâte de pratiquer, car la foi sans les œuvres n'est rien. Il ne sert à rien de dire je crois, j'ai ma foi pour moi. Non, si tu crois, tu partages ce beau trésor, ce trésor qu'il t'a donné gratuitement et qui doit être utile pour tous, amen. Merci papa pour cette journée, parle à nos cœurs, parle à nos esprits, nos âmes, merci, merci de le faire et de nous délivrer de tout mal. Gloire à toi au nom de Yahusha, notre Messie. Amen. Chapitre 23, le respect des faibles. Exode, hein, je suis. Vous ne devez pas propager de faux bruits, ni porter un faux témoignage en faveur de malfaiteurs. Ne vous laissez pas entraîner par une majorité à faire ce qui est mal. Dans un procès, ne témoignez pas sous l'influence de la majorité si elle cherche à fausser le cours de la justice. Ne favorisez personne lors d'un procès, même pas un pauvre. Si vous rencontrez le bœuf ou l'âne égaré de votre ennemi, ramenez-le lui. Si vous apercevez son âne effondré sous la charge qu'il porte, ne passez pas outre. Donc, outre, c'est pas avec, c'est pas ensemble, hein, comme on dit pour le Shabbat. Outre les Shabbat, et donc les fêtes peuvent tomber même un jour de Shabbat. Non. Le calendrier n'est pas bon, si le calendrier que tu suis. Parce qu'il y a marqué outre dans la parole, et là, on voit bien encore outre ici. C'est pas la même chose, outre. Outre, outre, outre. Je reprends. C'était où qu'il y avait marqué outre? C'était là. Ne passez pas outre. Voilà. Si vous apercevez son âne effondré sous la charge qu'il porte, ne passez pas outre. Aidez plutôt votre ennemi à remettre la bête sur ses pattes. Ne faussez pas le cours de la justice, même si c'est un indigent qui s'adresse à vous lors d'un procès. Ne prêtez pas l'oreille à des propos mensongers. Ne condamnez pas à mort un innocent ou un homme honnête. Car moi, le Seigneur, je ne tiens pas pour innocent celui qui commet une telle injustice. Ne vous laissez pas corrompre par des cadeaux. Car les cadeaux rendent aveugles même les plus clairvoyants et pervertissent les décisions déjà honnêtes. N'opprimez pas les étrangers installés chez vous. Vous savez bien ce qu'ils peuvent éprouver, puisque vous avez été vous-même des étrangers en Égypte. L'année du repos est le jour du repos. Pendant 6 années successives, vous pouvez ensemencer vos terres et en année, tu peux rentrer, Elia. Vous devez laisser le sol complètement en repos. Vos compatriotes pauvres y trouveront de quoi se nourrir, puis les animaux sauvages mangeront le reste. Vous agirez de même avec vos vignes, vos oliviers. Donc avec tout, vous voyez? Voilà. Et aujourd'hui, justement, c'est l'année du repos. Aujourd'hui, cette année. Là. Vous... Pardonne-moi, je n'ai pas... Vous avez 6 jours dans la semaine pour accomplir votre ouvrage, mais le 7e jour, vous cesserez toute activité afin que vos bœufs et vos ânes puissent se reposer et que les serviteurs et les étrangers puissent reprendre haleine. Observez scrupuleusement ce que moi, le Seigneur, je vous ai ordonné. Veillez particulièrement à ne jamais invoquer des dieux étrangers. Invoquer. Qu'on ne vous entende même pas mentionner leur nom. Bon, alors, je crois qu'on faute tous parce qu'on les nomme. Mais bon, si on les nomme pour dire qu'il ne faut pas, ça va. N'est-ce pas? Les fêtes à observer en Israël. Répétition. Chaque année, vous devez célébrer 3 fêtes en mon honneur. La première fête que vous célébrerez sera celle des pains sans levain durant les 7 jours fixés au mois d'Abib. Vous mangerez du pain sans levain, comme je vous l'ai ordonné. Sans levure, sans levain, sans levure.
C'est en effet au cours de ce mois-là que vous avez quitté l'Égypte. Vous ne viendrez pas à mon sanctuaire les mains vides. Vous célébrerez ensuite la fête des moissons. Il y en a déjà eu deux. Au moment où vous moissonnez les premiers produits des champs que vous cultivez. Et en automne, à la fin de l'année, vous célébrerez la fête de la récolte lorsque vous aurez fini de récolter les produits de vos plantations. Donc, on voit en automne, il y a la fin de l'année agricole. Voilà, puisqu'on parle des plantations, de tout ce que vous récoltez. Lorsque vous aurez fini de récolter les produits de vos plantations, chaque année, tous les hommes de votre peuple viendront donc se présenter trois fois devant moi, le maître, le Seigneur. Vous ne m'apporterez pas d'offrande contenant du levain pour accompagner des sacrifices d'animaux. Vous ne garderez pas la graisse des sacrifices du soir jusqu'au lendemain matin. Parce que le lendemain matin, il va y avoir un nouveau jour. Donc, il faut garder que le jour J. Entre autres. Petit aparté. Vous viendrez présenter les premiers produits de votre terre à mon sanctuaire. Car je suis le Seigneur, votre Dieu. Mais vous ne ferez pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Verset 20, j'en suis. Je vais envoyer un ange qui vous précédera et vous protégera le long du chemin. Il vous conduira dans le pays que je vous ai préparé. Prenez bien soin de lui obéir, de ne pas vous montrer insoumis. Il ne supporterait pas votre révolte, car il agit en mon nom. Si vous lui obéissez fidèlement, si vous accomplissez scrupuleusement ce que je vous ordonne, moi, le Seigneur, je serai l'ennemi de vos ennemis et l'adversaire de vos adversaires. Promesse, vous avez vu? Condition. Le Seigneur est bon. Lorsque mon ange vous précédera pour vous conduire chez les Amorites, les Hittites, les Périsites, les Cananéens, les Hivites et les Jébusites, je détruirai ces peuples. Mais vous ne devez pas vous incliner devant leur Dieu pour les adorer, ni imiter leur cérémonie. C'est quoi cette bestiole? C'est quoi, Seigneur? Allez, parti. Donc, vous ne devez pas, hein, vous devez pas les adorer. Hein. J'enverrai. C'est moi le Seigneur. Alors, je bénirai. Oh, pardon, je vais mettre la pause parce que là, bon, je ne sais plus. Donc, je vais reprendre au verset 24. Vous ne devrez pas vous incliner devant leur Dieu pour les adorer ni imiter leur cérémonie. Au contraire, vous détruirez les statues de ces dieux et vous briserez leurs pierres dressées. Brisez toute statue, toute idole, si vous en avez dans votre maison encore. Comme les Bouddhas. Chez ma sœur, ça s'est cassé involontairement, mais c'était bien, c'était une bonne chose. T'es pas contente, mais c'était même pas fait exprès. Mais bon, y a pas de hasard avec Dieu, mais il en reste encore. Que les autres se cassent aussi. Désolée si tu regardes la vidéo, ma sœur, mais je crois que tu ne regardes pas. Ma sœur de chair, mon sang. Le même papa, la même maman terrestre. Patricia, elle s'appelle. Que Dieu la bénisse, la tire à elle. Amen. Alors, je vous bénirai en vous accordant nourriture et boisson et en vous préservant des maladies. Je vais relire parce que j'ai fait la pause et ça ne va pas. Au contraire, vous détruirez les statues de ces dieux et vous briserez leurs pierres dressées. Et c'est moi seul, le Seigneur, votre Dieu, que vous adorerez. Alors je vous bénirai en vous accordant nourriture et boisson et en vous préservant des maladies. Dans votre pays, il n'y aura plus de femmes qui avortent et qui souffrent de stérilité. Je vous accorderai de vivre longtemps. Merci, papa. Voici ce que je provoquerai. À la nouvelle de votre approche, les nations seront terrifiées. Tous les peuples chez qui vous pénétrerez seront mis en déroute et vos ennemis tourneront tous le dos pour s'enfuir. J'enverrai aussi devant vous des frelons qui mettront en fuite les Hivites, les Cananéens et les Hittites. Les Cananéens et les Hittites avant même votre arrivée. Point.
Verset 29. Cependant, je ne ferai pas fuir tous ces peuples devant vous la même année. S'il en était ainsi, le pays deviendrait un désert où les bêtes sauvages se multiplieraient à vos dépens. Je chasserai vos ennemis peu à peu, au fur et à mesure que vous deviendrez plus nombreux et que vous occuperez le pays. Finalement, votre territoire s'étendra de la mer des roseaux à la mer Méditerranée et du désert du Sinaï à l'Euphrate, car je livrerai en votre pouvoir les habitants de ces régions afin que vous les chassiez. Vous ne conclurez aucune alliance avec eux ou avec leur Dieu. Vous ne leur permettrez pas de demeurer dans votre pays afin qu'ils ne vous entraînent pas à commettre des fautes contre moi. En effet, si vous adoriez leur Dieu, leur faux Dieu, vous seriez pris au piège de l'idolâtrie. Fin du chapitre 23. J'aurais peut-être pas dû tout lire parce que là, la vidéo, 15 minutes, 16 minutes. Et je m'excuse, c'était hier ou c'était avant-hier ? Et je sais pas pourquoi ça s'est arrêté, j'avais plus de mémoire, j'avais pas dû effacer des vidéos et il manquait pas beaucoup. Donc je vais vous relire ce verset là, la fin du chapitre 22. Je crois qu'il manquait vraiment pas grand chose. Vous devez m'apporter, son papa il a pris, elle s'est réveillée. Vous devez m'apporter sans retard la part qui me revient de vos moissons et de vos vendanges. Vous devez me consacrer l'aîné de vos fils. En ce qui concerne le premier petit d'une vache, d'un brebis ou d'une chèvre, on doit la laisser pendant 7 jours auprès de sa mère. Le 8e jour, offrez-le à moi en sacrifice. Vous devez m'appartenir sans restriction. Ne consommez donc pas la viande d'un animal qui a été déchiré par des bêtes sauvages. Jetez-la aux chiens. Je sais plus si c'était celle-là de vidéo qui s'était arrêtée ou l'autre. Bon, j'ai oublié, pardon. Je partage la Bible, la parole de Dieu. Voici une petite fille qui est chez les voisins à côté. Soyez bénis, encore une fois, Shabbat Shalom!